Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon Go et aujourd'hui on va capturer Sulfura. C'est officiellement le premier jour pour capturer le Sulfura. On l'a attendu, il devait arriver hier le 31. Au final il est arrivé aujourd'hui le 1er août et il va rester une semaine. Donc je vous conseille de vous dépêcher si vous voulez l'avoir. Et du coup moi aujourd'hui je vais essayer d'en capturer au moins un. Du coup c'est parti. Ok, on est parti pour un raid contre Sulfura, du coup le premier raid de la journée. Et c'est parti, donc on est 7 il me semble. Et normalement ça devrait aller. Alors moi j'ai pas réussi à trouver assez de potions pour soigner tous les Pokémon que j'aurais voulu, mais j'ai fait au mieux. Donc voilà, on va voir si à 7 ça marche. Normalement d'après ce qu'ils m'ont dit, il n'y a pas trop de soucis. Et après on va essayer de capturer le Sulfura qui est vraiment magnifique. Donc le Sulfura va rester une semaine je crois bien. Donc dépêchez-vous si vous voulez Sulfura. Et après ce sera au tour d'Elector. Allez, allez, allez. Donc voilà, du coup pour Sulfura ça va être des Pokémon de type roche, de type eau bien entendu, et des types électriques vu que c'est un type vol. Alors moi je suis pas avec la bonne attaque pour mon Léviator, mais bon c'est pas grave. Il va falloir que je change tout ça. Du coup c'est parti, on est à fond. Je pense que ça va être tranquille, on est quasiment à la moitié et il reste 234 secondes. Donc je pense que ça va le faire plutôt facilement. Je ne m'inquiète pas trop. Allez, 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 c'est parti. Allez, on essaye. Ouais, hydrocanon, ça c'est pas mal, ça va être super efficace. Oui, franchement, un 7, c'est largement faisable. Hein. Je pensais pas que ce serait aussi facilement faisable. Je pensais qu'on aurait dû être au minimum 9 ou 10, et au final, non. C'est très bien comme ça. Allez, allez, c'est parti. Là, franchement, il est en train de beaucoup descendre, regardez. C'est très très bien. Franchement, ouais, easy. Sachant qu'on est quand même une bonne team, il y a des niveaux 40, niveau 38... dans notre team, donc du coup je pense que ça joue aussi sur le fait que ça descende assez facilement. Alors mes Pokémon sont tous KO. On va remettre une team très rapidement. Hop, je n'ai pas vraiment regardé la team qu'on mettait. Bon, le Dracolos va pas être au top, mais c'est pas grave, c'est pour finir le raid. Là on y est de toute façon, hein. On va l'avoir, il n'y a pas de souci. Allez, allez, un autre Tortank. J'adore Tortank, il est vraiment magnifique. Et du coup, on va y arriver, regardez. Il reste... Bah c'est bon. Très bien. Le Sulfura. Je vais vous mettre le son, c'est plus sympa, j'avais oublié de le mettre la dernière fois. Oh, c'est joli le son. Alors, 15 rappels, 3 super bonbons, 6 Beframbi dorés. Et 10 000 XP. Du coup au niveau des balls, on va en avoir 8 vu que j'ai le buzz en QA 5 et bien entendu on a fait une équipe de jaune, donc du coup 3 balls en plus. Et c'est parti pour le défi bonus contre Sulfura. On va essayer de l'attraper. Alors je vais essayer de bien filmer, mais je vais vraiment me concentrer aussi. Non, c'est bon, t'inquiète. Apparemment il est très loin, donc voilà, j'ai lancé la première. Allez, c'est parti. 1, 2 et seulement 2. Du coup, c'est parti. Hop. J'attends qu'il attaque. Et je la lance. C'est parti. J'ai fait un joli lancer. 1 et seulement 1. Allez, on remet une baie. Il me reste 6 encore. J'attends qu'il attaque. Il est assez haut. Bon, j'attends, hein. Quoi qu'il en soit, j'attends. Super, j'ai fait un super lancer. Allez, allez, on y croit. Non, pas du tout. Pourtant, je fais que des bons lancers, là. Donc, je fais mon maximum. Faut que j'ai de la chance. J'ai pas eu beaucoup de chance au niveau d'Articodin. J'en ai eu qu'un seul sur 6. Et au niveau de Lugia, j'en ai eu que 0 sur 5. Donc, j'ai pas eu vraiment beaucoup de chance. Il s'est encore échappé. Allez, on y croit. Il reste 4 balls. 4 balls seulement. J'attends qu'il attaque. J'attends, j'attends. Quoi qu'il en soit.
parce que j'ai pas envie de lancer au moment où il va attaquer. Ok. Ok. J'ai eu chaud. Allez. Non, même pas un quoi. J'ai pas de chance. Il en reste 3. Donc j'attends encore une fois. Ok. Allez. 1. Seulement 1. C'est la dernière, c'est la dernière. Enfin, il en reste 2 officiellement, mais officieusement, le dernier lancer ne marche jamais. Allez, on y croit. J'ai cru que j'avais foiré ma bol. Ok, bah au moins je les aurais toutes réussies. Si je ne l'ai pas, c'est que bah, ça ne voulait pas. 1, 2 et 3. Oh là là, je l'ai eu. Je l'ai eu à la dernière boule. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Je viens d'avoir le Sulfura. Je l'ai eu. À la dernière, hein. Franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Magnifique. Enfin, l'avant-dernière, hein, officiellement, mais... magnifique. 1820. On va l'évaluer. Il semble capable de tenir tête au meilleur. Capital défense et stats super élevé. Donc c'est pas mal. Je suis très contente. Hein. Franchement, magnifique. Beaucoup plus de chance que pour le Articodin. Donc voilà, je suis contente. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker à fond la vidéo si vous êtes content pour moi. Ok, un petit teuf. 5 km, c'est parti. Il y a beaucoup de bruit. Et un maril. Bon, pas très intéressant. Ok, donc là on est à côté d'un canal et on va faire un raid Lugia parce que j'ai toujours pas Lugia, j'en ai fait 5 et je l'ai jamais attrapé. Donc là ça va être mon 6ème raid, on espère qu'on va réussir déjà et ensuite que je vais l'attraper. Ok, c'est parti pour le raid contre Lugia. On est parti. Donc on est 16, 17 même je crois. Donc je pense que ça va être plutôt facile. Je ne me fais pas trop de problèmes. Allez, allez, on va mettre la musique. Moi aussi j'ai un Sulfura maintenant, je vais pouvoir le mettre. Allez, allez. Bon, ça va le faire. Hein. Là, on a quand même pas mal dévidé déjà. Hop. Bon, par contre, mes Pokémon meurent à une vitesse extraordinaire. J'aimerais beaucoup avoir un Tyranocyte. Ça serait super cool hein. Pour les raids. Comme j'ai pas mal de super bonbons, je pense que je vais m'en faire un. Hein. Allez, le deuxième Léviator. Bon, ça va, hein, là il reste 200 secondes et le Lugia est passé dans le rouge. Donc, pas de problème. Et après, il faut l'attraper. On va essayer de l'attraper après. Allez, il reste vraiment plus grand chose, regardez. Hop, je suis avec mon Sulfura, mon magnifique Sulfura qu'on vient d'attraper. Il est à la classe, hop. Oh non, mon jeu a crash. Oh non. J'espère que ça va revenir sur le bon écran, parce que là, mauvais signe. Mon jeu a crash. Allez, on espère que ça va revenir sur le Lugia. Si je mets la reine. Il faut appuyer sur la reine. Ouais. On va appuyer sur la reine et logiquement. Il atteint des bonus. J'espère. Ah c'est bon. Super bonbon, Beframbi. C'est bizarre, hein. Par contre, c'est un gros bug là. Ok, c'est bon. Du coup, on a 10 balls, c'est énorme. Regardez, 10 balls, vu que c'était une arène jaune, on a 2 balls. 3, vu qu'on est une majorité jaune à avoir vaincu l'arène et le boss vaincu 5 balls. Du coup, c'est parti, on va au défi bonus pour attraper le Lugia. Est-ce que vous êtes prêts? Il est 1990 en plus, c'est pas mal du tout. Non, non, je commence à mettre une B nanana, ça pas du tout. Une B frambi dorée.
Allez, c'est parti. Donc on va attendre qu'il attaque. On va faire la même technique que pour le Sulfura. Ok, j'ai fait un super. 1, 2, 2. Seulement 2. Le Lugia s'est échappé. On remet une des frambis dorées. C'est parti, on attend qu'il attaque. Il attaque. Et on a fait un joli, c'est pas mal du tout. 1 et seulement 1. Allez, on y croit, on lâche pas l'affaire. On a encore 8 boules. Ça peut le faire largement. On attend qu'il attaque. Donc je vous conseille vraiment de faire cette technique si vous voulez l'attraper. Comme ça, ça vous évite. Ok, bon là il a fait une double attaque comme vous pouvez le voir. Donc j'ai perdu une boule. Bon bah c'est pas grave, hein. C'est la vie. Ok, allez, un super. 1, 2, et seulement 2. On est reparti avec une nouvelle baie. Hop. Allez. 1. Seulement 1. Allez, allez, il reste 5 balles. 5 balles. Il attaque. Je lance la balle direct. 1. Non, même pas 1. Comme ça, c'est fait. Allez, c'est reparti. Il en reste 4 encore. Hein. 4, c'est encore faisable. Donc on va attendre qu'il attaque. Et c'est parti, je la lance direct. J'ai fait un super. 1. Et seulement 1. Ah là là, ce Lugia n'est vraiment pas facile à attraper. Un autre super. Ok. C'est la dernière, hein, l'avant-dernière, mais la dernière officiellement. Donc on attend qu'il attaque et on va la lancer. Je sens qu'il va mettre une heure et demie à attaquer, comme d'habitude. C'est bon. Allez. C'est notre dernière chance. 1. Et c'est mort. Bon. Bah, je pense que là, c'est foutu, mis à part si on fait une capture critique. Ce qui, apparemment, n'est pas vraiment possible. Bon, du coup, hein. J'ai pas l'impression que ça va être bon. Ok, bon, bah tant pis pour cette fois-ci. C'est pas grave. On espère la voir une prochaine fois. On ne laisse pas tomber. On est parti pour un nouveau raid Sulfura. C'est parti. Donc là, cette fois-ci, on est 5 dans le groupe. Mais normalement, c'est 6, pardon. Mais on est largement suffisamment. Ok, donc là on est pas mal pour le moment. Il reste 218 secondes, on est à un peu moins de la moitié. Sachant qu'on est que 6 dans le groupe, c'est bien. Et on va l'avoir dans tous les cas. Avant la fin, il n'y a pas de souci. Donc c'est plus rentable de faire un groupe privé et de pas être beaucoup, parce que du coup ça donne plus de Pokéballs. Si vous ne saviez pas, c'est plutôt intéressant de faire comme ça. Donc je vous le conseille, si vous pouvez, si vous êtes 20 jaunes et si vous pouvez faire deux groupes, c'est beaucoup mieux, ça donne plus de Pokéballs. Du coup, l'Aquali. Oh, allez, c'est parti pour Léviator. Et c'est super efficace, donc c'est pas mal. Il y a un prochain là-bas. Ah bah, ouais, ouais. Il y en a un et à Lumière qui va être complet. Je vais aller au prochain. Hop. On essaye de sortir l'attaque. Non, j'ai pas réussi. Bon, ouais, pas ça va, franchement, là, il reste 170 secondes. On est à beaucoup moins de la moitié. À 200, on l'a fait déjà. Très tranquille. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui a mis un le four. Allez, c'est reparti. Alors, les joueurs de Pokémon Go détestent tous les gens qui mettent des l'euphorie, ce qui est très très drôle. Parce que l'euphorie est vraiment très très nul en attaque. Apparemment il serait égal à un Pokémon type genre Roucoule ou un truc comme ça. C'est vraiment, vraiment pas un bon Pokémon en attaque. Allez, ça va être bon pour le Sulfura. Au niveau des dégâts. Dans quelques secondes, on est bon. Il nous reste 98 secondes. On est tranquille. Et c'est bon. Presque. C'est quoi le mouvement là? Allez. Allez, c'est tranquille. Hein. Vous voyez, même à 6 pour le Sulfura, c'est largement suffisant. Donc si vous êtes un groupe de 6 amis, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire un Sulfura. Hop, voilà. Ok, on est bon pour le Sulfura. On va voir tout de suite combien on a de balles.
normalement ça devrait être pas trop trop mal. Je pense pas que j'aurai de bol pour les dégâts comme d'habitude. Alors du coup 9 befframbi dorés c'est bien, ça crapelle. 9 super bonbons c'est très bien ça. Et 10 000 XP. Ok. Au niveau des balls, on va en avoir bien entendu 8. Et c'est parti, donc je vais me poser là, hop. Et on va essayer d'avoir un deuxième sulfura pour aujourd'hui. Voilà, ce sera mon dernier raid, mon avant-dernier raid je crois. Donc du coup, on espère qu'on va les avoir. Alors, on commence avec la baie. Et c'est parti, donc même technique, on attend qu'il attaque et juste après qu'il a attaqué, on lance la balle. C'est vraiment une bonne technique. Donc parfois, bah, faut attendre un peu longtemps, on a envie de craquer et de la lancer, mais il faut pas. Il faut pas. Il faut tenir le coup. Allez, allez, allez. Bon, Sulfura là. Ah voilà, c'est bon. L'attaque. Ok. Le premier lancé, on est pas mal. Un. Et seulement un pour le premier. Allez, une autre baie. Il attaque. Et on lance direct. On a fait un super. Le lancer était vraiment pas mal. Ok. C'est pas bon. On est reparti. On va mettre la musique. On va pas l'entendre en fait avec le bruit qu'il y a. Donc là j'attends encore une fois qu'il m'attaque. Allez, Sulfura. Allez. Je trouve que... Oh c'est beau quand même. Hein. Très très belle animation. Je trouve quand même qu'ils se sont beaucoup améliorés. Que je me suis beaucoup améliorée au niveau de mes lancers. Quand je dis ça, je rate mon lancer quoi. Franchement, c'est abusé. Allez, allez, allez. Faut que j'attende. J'espère que ça va pas bugger, que ça va pas me faire erreur, parce que ça serait vraiment bête. Il est vraiment magnifique en tout cas. Regardez-moi ça comme il est beau. Ça a bugué. Donc ça a fait erreur et on est revenu. J'ai eu peur. Mais c'est bon, on est sauvé. Ça fait encore erreur. J'espère que ça va le faire quand même. Ok, j'ai réussi mon lancer. Allez, 1, 2 et 3 et 3 et 3. Non, pas de 3 pour cette fois-ci. Allez, il reste 4 balls. Hop. J'ai réussi à la lancer. 1, 2 et 3. Non. Toujours pas, toujours pas. Bon, je suis moins stressée parce que j'en ai déjà un. Mais ça serait cool d'en avoir un deuxième. Ok, super. Allez, 1. Seulement 1. Allez, bon bah là. Il reste 2 balls, donc l'avant-dernière, la dernière officiellement, vu qu'après c'est capture critique, c'est quasiment impossible. J'ai cru que j'allais me rater, hein. Je vous avoue que j'ai cru que j'allais me rater. Et non, bon bah écoutez, je pense qu'on l'aura pas celui-là. Allez, on va lancer la dernière bien quand même, même si je pense que c'est mort, on sait jamais s'il y a une capture critique. Hein. Tout est possible. Bah, en tout cas, il est vraiment magnifique. Ah, bah, okay. Ok, bon bah pas de chance, il a fait une double attaque, ce sera pas pour cette fois. Allez, c'est parti pour un nouveau raid Lugia. On espère qu'on va avoir... Ah, il y a l'euphorie. On espère qu'on va y arriver. Bon, on est combien? On est 19. Bon. C'est quoi son attaque spéciale? Ouais, large, large. Ça va. Large, 19. Je pense que ça devrait le faire. C'est pas piqué, ouais, c'est piqué. Donc là, il n'y a pas de team jaune, rouge et bleu. Hein. Là, on s'est mis tous ensemble parce que Lugia, c'est pas le même délire que Sulfura. Il est beaucoup plus dur à battre. Qui a mis un Cidaiops? Il est beau Cidaiops. Ouais, mais c'est un mauvais début. Oui, après oui, mais il est beau. Concours de beauté, il serait pas mal. Putain, j'en ai déjà deux doigts. Pour ça arrive. Je crois que j'ai fait mon record là. Mon premier Pokémon, il va tomber à 230. C'est incroyable. C'est quoi? Tyranicif. Ouais, Tyranicif. Mon premier là qui vient de tomber, ouais, tout de suite là. Ouais, il est tout de suite. Il a deux. Ouais, de ouf. Ouais, ça y est, c'est mon quatrième. Ouais.
c'est moins drôle. Oh la vache. Ah Stan, tu te souviens celui d'hier? Lequel? Le Louis Jadier. Bah oui. Il était énervé. Tout le monde s'en souvient, il était jusqu'à là, il y avait... Mais il y avait Alex même. C'est pas peur, on en a fait un très très vite aussi. Ouais. Bon là on est vraiment pas mal. On a 188 secondes et il est passé dans le rouge. Donc là on va l'avoir sans souci. Du coup on se retrouve pour la capture. Ok 2034. Donc c'est bon. T'as fait du gros PC toi. 12 une c'était 10 rappels. 3 super bonbons. Wow. Alors que la reine elle est bleue, gros. On a contrôle d'arène. Pourquoi? Ah les jaunes, ouais. Ah on a deux boules pour les contrôles d'arène, ah ouais, j'en ai 9 personnellement. Ah en ce moment je sais pas on a quoi. On est pas mal, on est pas mal. On est fou là. Ouais, on est pas mal. Les jaunes on est fou en ce moment. Allez, 2032. C'est parti. On attend. Allez, on commence avec un super, on l'a du premier coup, allez. On y croit. 1. Ok, pas du premier coup. Allez, c'est reparti. On attend qu'il attaque. Oh non, il a attaqué deux fois d'affilée. On a fait un joli. J'ai eu mec. 1, tiens mec. 2 et 3, non. Oh putain. Il a eu. Allez, il reste 7 balles. Putain, mais hey, toi tu les as tout le temps, toi. T'es. T'as un taux de chance, toi, c'est vraiment. Allez, Lugia. Dépêche-toi. Ah, elle fait un double lancé, c'est bon. Il en faut toujours un de toute façon. C'est pas grave, c'est pas grave. Il reste 6 balles encore. Allez. 1, 2, 2. Faut que j'aie là. Ah, à côté on a une capture critique. Bien joué. Un bon ratio mec. J'ai pas le temps les mecs, j'ai pas le temps. Ok, sixième je le fera. Deuxième Lugia. Aujourd'hui la journée elle a été bonne. Elle a été riche en émotions. J'ai pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Allez. J'en ai pas eu deux. Ce qui m'a fait. Allez, je fais un excellent là les gars. Okay. Il n'en reste plus que 3. J'en ai eu 0 sur 7 pour le moment. Hein. Vous vous rendez compte? Oui mais moi je vais me forer si je fais des effets. Je vais faire la jouer safe. Non. Oh j'ai cru. Pas trop y croire avec moi, faut pas trop y croire. Allez, il en reste 2, donc c'est officiellement la dernière. Qui va être bien. Allez, on y croit. Mais non, mais non. 1, 2, et non. J'ai vraiment pas de chance, hein. Bon, la dernière. Capture critique, hein. Capture critique, allez. Pense comme moi, tu l'as eu à laquelle? Je sais pas. Non, c'est pas une capture critique, ça. Hein. Putain, capture critique. Bon, bah toujours pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme vous pouvez le voir, on a capturé un sulfura, donc c'est déjà bien. J'en aurais capturé 0, j'aurais vraiment été dégoûtée. Je crois qu'on a fait 2 ou 3 raids sulfura et 2 raids Lugia. Toujours pas de Lugia malheureusement. J'espère que dans la prochaine vidéo, je pourrai vous dire que j'ai capturé Lugia ou capturé Lugia avec vous en vidéo. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu Articodin, si vous avez eu sulfura et Lugia. Elector arrive la semaine prochaine. Et donc voilà, c'est vraiment pas évident de les capturer. Je sais
aussi qu'il faut faire un lancer incurvé, on a plus de chances. Moi j'ai un peu peur de les rater, c'est pour ça que je ne les fais pas. Donc je sais que certains vont me dire en commentaire, fais des lancers incurvés. Si je ne les fais pas, c'est parce que je préfère faire ça plutôt que de les rater. Donc voilà, en tout cas si vous voulez plus de vidéos Pokémon Go, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et dites-moi en commentaire tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.